Rafale de Bouchta, ramène tes potes et mon gars faudra possible. Libérer les refrais au star, c'est la seule méthode, j'sais pas si t'as capiche. A chaque plat faut mettre sa capuche, mélange de bombes et t'es prends ta bonne piche. Sa village, toi qui l'a caché sa puce, putain, 16 heures du mat, c'était la perquise. Dans la sacoche, la bouteille de frise, on était toujours dans la frise. Et bien, c'est tout le monde, c'est Skola. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo de menu. Je crois que c'est le 9ème, normalement, si je me trompe pas. Bref, juste avant de commencer la vidéo, si vous aimez l'église sur GTA 5. Et enfin bref, les vidéos sur GTA 5, les menus, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment super plaisir. On monte de plus en plus. Le Discord est en description, bientôt les 2 ans, on a 170 si je me trompe pas. Et bref, on commence la vidéo tout de suite. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un mode menu qui est vraiment, vraiment très particulier. Je vais vous montrer, vous verrez, j'ai jamais vu un menu comme ça. En fait, c'est l'interface et même, il est stylé en fait. C'est vraiment l'interface, tout est bien mis correctement. Et franchement, c'est un putain de mode menu. Donc c'est le Kitsune mode menu, si vous en avez déjà entendu parler. Et bien voilà, moi franchement j'en avais jamais entendu avant. Donc là le lien tout simplement il est en description. Vous faites download, ça sera un fichier WinRAR. Donc je vous montre, ça sera un fichier comme ça. Donc vous mettez, une fois que c'est dans le téléchargement, vous mettez sur le bureau. Et voilà, donc là une fois que c'est fait vous devrez lancer votre jeu. En mode histoire, en mode online, on s'en fout, tant qu'il est lancé, bah voilà ça marche. Donc là, ça on va juste fermer ça. Ce qu'on va faire, alors c'est pas Xeno 64, c'est un injecteur direct, donc normalement ça devrait marcher pour tout le monde, en tout cas moi ça marche. Donc là vous double-cliquez sur extrême injecteur. Donc là on attend, il va se lancer tout simplement. Là la page là on peut la fermer. Donc vous voyez bien, je suis bien sur GTA. Donc là on attend que l'injecteur s'ouvre. Il prend un peu de temps hein, après voilà. Donc là je vais enlever le mien, je vais vous faire voir. Donc vous cliquez sur select et faut mettre, normalement il y a deux GTA. Et faut pas mettre play GTA, je sais pas quoi, faut mettre GTA.exe. Donc je vais vous faire voir c'est lequel, voilà celui-là, entre Chrome et Rockstar, puis vous mettez celui-là, gta.exe, select. Là, le fichier DLL, tout simplement, il est tout simplement ici, donc le Kitsune DLL, on le glisse ici, voilà. Là, on fait non, on s'en fout, après c'est ça, vous faites comme vous voulez, c'est juste pour en fait, quand vous mettez des modifications, ça les inscrit ici, voilà. C'est juste simple. Là, le jeu, il est bien lancé, vous faites inject. Et là, normalement, il y a une autre fenêtre voilà, qui va s'ouvrir comme ça. Comme quoi, là, il a bien été inséré. Voilà, 14h05, il est bien 14h05. Voilà. Donc là, ça, il faut surtout pas le fermer, sinon, bah, évidemment, ça ferme le menu. Vous le réduisez juste. Et là, on va se retrouver tout de suite sur GTA. Donc là, une fois qu'on est sur GTA, déjà, vous aurez pu voir, ça affiche carrément l'FPS en haut. Bon, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'FPS parce que déjà, j'ai pas le meilleur PC du monde. Et surtout, quand je rec, bah, ça marche moins. Bref, ça c'est pas ce qui nous importe. Donc là, pour activer tout simplement, vous faites la touche insert. Donc en gros, c'est sur. Vous voyez les trois touches que vous avez là, genre flèche directionnelle à côté du pavé numérique. Et ben au-dessus, enfin c'est juste à côté de l'entrée. Vous regardez, il y aura un bouton insert au pire. Et là, quand vous appuyez, voilà. Et regardez ce menu. Franchement, j'ai jamais vu un menu comme ça. J'ai jamais vu ça. Donc déjà, God Mode. Voilà. Après, vous pouvez pas bouger dans le jeu, vous avez juste à refaire insert en fait. Mais moi j'avais galéré au début, et voilà en fait. Pour ceux qui demandaient, il y en avait qui l'avaient installé sur ma chaîne déjà. Et ben voilà, vous avez juste à cliquer sur insert et pour l'enlever, vous cliquez insert. Donc là, il y a quoi d'autre ? Invisibility. Je sais pas, ça a pas l'air de le faire. Bref, sinon, il y a Never Wanted. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a Random Outfit. Voilà, ça change. Après, c'est en mode histoire, du coup, il n'y a pas beaucoup de trucs, mais il y a quand même des. Ouais, il y a quand même des boîtes et des modèles. Hein. Franchement, il est bien complet. Hair Color, ça c'est les cheveux, mais on s'en fout. Ça, je sais pas, ça change quoi. Ah ouais, on peut le mettre en petit et tout. Ça, c'est stylé. Après, dans l'argent, je pense qu'il vous intéresse. Alors, on peut mettre les levels, mais moi, j'ai pas réussi. Je vais réessayer après en mode online. De toute façon, je vais y aller. Donc, normalement, vous faites ça et vous faites cette level. Mais là, je sais pas, ça va pas marcher. Peut-être qu'il faut l'activer direct en mode online. Je sais pas du tout. Bref, délai, vous mettez 0 et money drop. Bon, là, voilà, ça monte en bas. Ça. Bon, après, c'est parce qu'on est en mode histoire, ça monte plus vite. Mais après, l'argent, si par exemple, je mets que 1021, bah, voilà, 1021, quoi. Voilà, vous pouvez voir. Donc là on vient de spawn tout simplement. Alors ce qu'on va faire tout simplement c'est que on va remettre le mode menu. Voilà, pareil hein. Si vous, tant que vous quittez pas le jeu, carrément ben il sera encore là. Donc là si on veut faire spawner nos présors, voilà il spawn encore. Mais ce qu'on va faire c'est que tout simplement pour l'argent, je vais voir que ça marche aussi. Alors, après je suis sur un véhicule, attendez. Faut que je descende du véhicule, donc insert. Voilà, regardez bien, ça ramasse bien tout. Voilà, je suis à 177 millions là. Pareil, niveau 778 et je me suis jamais fait bannir. Donc là, vous faites insert.
Attends, on va décaler histoire de bien voir l'argent. Voilà, money drop. Voilà, regardez l'argent, elle monte bien quand même. Ça fait 2000 par 2000. 31 000. Voilà, c'est bien 2000 par 2000 comme ça indique. Après le délai, si on l'augmente, tu en auras moins. Bon, ça change rien en fait. J'ai l'impression que c'est plus rapide à 2000 en fait. Attendez, je vais juste couper ça. Ouais, du coup, le message d'erreur pour tous ceux qui demandent, c'est normal. Parce qu'on sort trop d'argent, c'est. Après, par contre, pour le level. Pour le level, je sais vraiment pas si ça marche. On va essayer de mettre l'imaginaire sur 1700. Ouais, ça a pas mal marché. Après, max stat. Mais je sais pas pourquoi ça marche pas, mais après, peut-être parce que j'ai déjà tout. Moi. Ah, si, c'est bon, regardez. Regardez. Tout était bloqué. Ah, bah, ça marche. Vous avez dépensé plus de 200 millions de dollars. Alors, j'ai jamais dépensé plus de 200 millions. Voilà, c'est pour vous dire. Donc là, ça marche au moins, je peux tout débloquer. Ça c'est pour les joueurs, infinite, ça c'est pour faire un écran de chargement infini. On peut copier le. Ah ouais, c'est pas mal. On peut lui faire spawn des véhicules, on peut cloner son. Voilà, regardez, ça clone. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut. J'ai compris en fait. En gros, on peut cloner ma tenue modèle. En gros, ça sert à rien, genre si vous voulez la même tenue qu'un mec. Et ah ouais, drop, c'est là du coup. Imaginons Money Bag Alien Egg. Eggs. Voilà, des œufs d'alien. Bon, par contre, je vais arrêter parce que c'est encore c'était quick, putain de message. Voilà, je débloque encore les mecs, les trucs, les mecs. Donc, franchement, c'est bien. Coding mode, invisible, petit. Mais j'ai pas l'impression que ça marche, mais bref. Never Wanted, Random Outfit, ça va mettre une nouvelle tenue. Ah ouais, du coup, même mes clones ils changent, mais c'est trop stylé. J'ai une armée là en fait. Là, c'est mes abonnés là en fait, c'est ça ce que je comprends. Regardez, attendez. Mais c'est trop stylé. Mais c'est putain de stylé les mecs. Et par contre ils ont pas la. Tu vois ils ont un truc qui ressemble. En fait c'est juste leur E ils changent pas. C'est juste les bras qui changent par contre niveau. Et voilà il y a des tenues modées par contre c'est pas du tout les mêmes que sur toutes les autres tenues. Parce que vous avez remarqué les tenues modées c'est presque tous les mêmes. Regardez cette tenue modée elle est pas stylée. Attendez insert. Elle est stylée. Bon, par contre ceux avec le sac de braquage on peut pas les enlever. Et voilà il y a plein de tenues stylées. Bref. Moi je vous laisse sur cette vidéo, le mode menu est en description. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous kiffez ce mode menu parce qu'il est vraiment, comme je vous ai dit au début, il est pas comme les autres. Il est assez stylé, il est assez original. Regardez, franchement c'est pas tous les jours qu'on voit des menus comme ça. Et bref, moi je vous laisse sur ces images, c'était Scola. Allez ciao et à la prochaine pour un nouveau mode menu.